Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Oh, l'angaz, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, nina, toute nation. L'angaz, la maille, la fait rayonner. Alors, c'est merci pour ce premier cri. Voilà, je vous conseille celui-là. On est capable de partir toute la journée là-dessus, mais bon, on va s'abstenir. Bonjour à tous d'abord, et puis merci à tous les intervenants, merci Dominique, merci au CCE. Ouais, je suis porteur d'un acte de naissance aujourd'hui, quelque chose qui vient d'être porté sur les fonts baptismaux il y a quelques heures de cela, quelque chose dont nous avons rêvé depuis de longues années, et puis bon, aujourd'hui, nous l'a fait ensemble, et merci au CCE de nous avoir accueillis. Elles ont donné la possibilité de le faire. C'est quoi ces affaires-là? C'est quoi le CRI? Conseil réunionné de l'interculturalité. On a le conseil de la culture, de l'environnement, de l'éducation. Pour ça, il fallait encore avec un conseil réunionné de l'interculturalité. C'est une longue histoire, je vous la ferai de façon très brève. Lorsqu'en 2005, nous avons fêté le centenaire de la laïcité, on a été amené, nous, plusieurs fédérations, plusieurs associations culturelles de la Réunion. À l'époque, j'étais président de la Fédération des associations chinoises de la Réunion. Nous avons été amenés à nous regrouper et nous avons pris conscience à ce moment-là que nous nous fréquentions, que nous nous connaissions, mais pas plus que ça en fait, et qu'il fallait qu'on dialogue. Donc on a commencé à se dire qu'entre nous, nous devions nous voir régulièrement pour que nous allions au-delà de se connaître. Il ne fallait pas seulement se connaître, il faut aussi se comprendre. On a commencé ce travail en 2005, donc ça remonte quand même. Ceux qui étaient là avec moi, ils ont un petit peu plus de cheveux blancs. Moi aussi, je n'avais pas la barbe à l'époque. Après, on a eu le plaisir, au fur et à mesure de notre histoire, d'avoir été rejoints par plusieurs autres associations, plusieurs autres groupements, plusieurs autres fédérations. Un des actes marquants que nous l'a fait, ça a été d'écrire un manifeste réunionnais pour le partage des cultures. Bon. Qui a été signé à l'origine par une douzaine d'associations. Après, l'histoire a voulu qu'il y ait un petit peu, quelques difficultés personnelles à suivre le travail, mais en tout cas, quand on l'a repris dans les années 2015, il y a eu, au fur et à mesure, beaucoup de groupements culturels qui se sont venus se regrouper autour de ce manifeste. Et nous avons travaillé ensemble, et cet espace de dialogue, que nous l'a ouvert avec toutes les cultures de la Réunion, qui était vraiment très large. Notre première valeur, on a dit, c'était la tolérance, la deuxième, l'intégrité. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut pouvoir accepter toutes les autres cultures. Et ça a été un espace de dialogue, mais merveilleux, honnêtement. Hein. Il y a plusieurs des associations de représentants associatifs qui ont fait partie de cette plateforme, qui sont là. Et nous avons, sur l'insistance du CCE depuis l'année dernière, on s'est dit qu'il faut que nous créions vraiment le CRI et que nous portions avec ce CRI toutes ces valeurs de l'interculturalité, du dialogue. Nous l'avons en plein dedans, hein, Journée mondiale de la diversité pour le dialogue et le développement. Donc nous la conservons, nous la faisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le CRI vient d'être créé. J'ai l'honneur, la fierté, le plaisir d'en être le premier président, mais c'est, j'ai dit, un espace de dialogue. Donc, aujourd'hui, il est ouvert à toutes les autres associations culturelles qui se reconnaissent dans les valeurs, on a fait une charte de valeurs, qui se reconnaissent dans le manifeste réunionné pour le partage des cultures que nous l'a écrit, que nous l'a signé, et que les associations qui nous ont rejoints depuis 3 ans ont signé aujourd'hui. Donc, on a vraiment, aujourd'hui, des choses tangibles pour faire avancer le dialogue des cultures, même pas interculturel, le dialogue des cultures. Et pour moi, c'est peut-être l'étape d'après le vivre ensemble. Quand on vit ensemble, on se connaît, mais on ne se comprend pas forcément. Quand on vit ensemble, on écoute, maintenant il faut s'entendre. Quand on vit ensemble, on partage, mais moi je veux qu'on mette en commun maintenant. Voilà. Et il y a le tapis mendiant là. C'est un peu comme la mosaïque, tout le temps, il y a nous, la Réunion, c'est une super mosaïque. Mais la mosaïque, on est un petit peu à côté. Aujourd'hui, il faut que tous les éléments du tapis mondial de mosaïque, ils fondent. Sans ce que j'appelle une multitude, un multiple. On est un multiple, on est une multitude. Et c'est ça qu'il faut faire valoir aujourd'hui,
vis-à-vis de la région et vis-à-vis du monde. Allez, c'est un peu prétentieux de dire qu'on avait peut-être un petit peu d'avance, nous, sur le monde. Parce que le vivre ensemble chez nous, là, on a vécu depuis, depuis que je suis né, hein, le vivre ensemble, la notion de vivre ensemble, elle est récente. La journée internationale du vivre ensemble en paix a été décrétée en 2017. Donc c'est tout récent. Mais nous vivons ensemble depuis longtemps, depuis avant ça. Donc on avait un petit pas d'avance sur le monde. Il faut que nous regrimpions une marche de l'escalier pour garder un petit pas d'avance. Bon, je ne dis pas que le CRI que l'on a créé là sera ce petit pas d'avance, mais avec tout le monde, avec ce que le CCE fait, avec ce que nous on fait, avec toutes les actions qui ont été dites tout à l'heure là, nous on va faire ce petit pas en avance pour garder notre petit avance sur le monde. Je reviens sur le CRI. On n'est pas que dans la théorie. Hein. Donc, nous l'a dit, on a aussi des actions à faire. On parlait du riz. Nous, on a remarqué, puisqu'on a discuté beaucoup, j'ai dit, c'est un espèce de dialogue. On a discuté, on a remarqué que dans les choses factuelles qui se retrouvent partout, dans le riz, tout le monde a une façon de faire le riz. On a parlé du nombre local tout à l'heure. Il y a chez nous le riz cantonné, le riz gluant, la banane, le riz anis, le riz coco, le riz chauffé. Bon, on va décréter une journée interculturelle du riz à La Réunion. Je ne connais pas quand, mais on va trouver la date. Avec le CCE, hein, parce qu'on a besoin de ça. Hein. Bon, donc, n'oublie pas ça. Deuxième piste, là, que nous, tout de suite, on nous l'a déjà esquissé. Pareil, quand nous, on fait des fêtes, là. On a l'habitude de s'inviter, nous. Bon, comme dit toujours, là, quand vient, nous, chez moi, on dit, viens Bambi, viens manger. Bon, quand on va du Pavali, nous vient manger. Bon, oui, c'est bien ça, mais là, les consommateurs, là, nous, nous sommes acteurs. Donc, on veut déchirer le rideau et on veut aller comprendre c'est quoi toutes ces fêtes. Donc, on va ensemble faire un planning réunionné de toutes nos fêtes et célébrations. Parce que tout le temps, on nous dit la même chose. Nouvel Anshima, c'est ça, il représente ça, ça. Bon, non, allons écrire un bon coup pour tout, allons mettre tout ça en planning et allons diffuser le plus largement possible auprès de tout le monde. Et la troisième chose, c'est, on va dire, un guide de l'interculturalité de toutes nos cultures. Parce que là aussi, tout le temps, on nous appelle pour dire, souvent c'est les gendarmes. nous, on a besoin de vous entendre, parce qu'il y a des nouveaux gendarmes qui arrivent. Quand ils volent les Chinois, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Quand ils volent les Malabar, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Bon, allez, on stoppe. Bon, et quoi? Nous, on va tout ensemble, nous, on va écrire. Et ça va servir à tout le monde, à tous les nouveaux arrivants. On a un bel exemple, il faut que ça reste un exemple. Donc on va l'écrire, ce guide de l'interculturalité, ce guide de toutes les cultures de la Réunion. Et puis après, on a plein d'autres projets, mais ça va dire tout en même temps. On est au début, notre acte de naissance était à 14h, donc on a 2 heures d'existence. On ne demande pas moins. Même pas, une heure. Une heure d'existence, on ne demande pas moins de dire tout. Merci. Allez, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre votre CRI à vous? Je suis d'accord parce que nous aussi on innove. Voilà, nous aussi on innove, c'est un autre CRI, mais il n'y a pas de confusion. Donc. Autre question dans la salle. Jules, une question une seule. Alors, au risque de surprendre Dominique, c'est pas une question, c'est une proposition. Merci. Au contrairement à plus si ça tend mieux là. Elle a sauté, attends que tu gagnes le micro, t'as fait les deux là. Donc, une proposition, comme pour le riz. Tant qu'on est entre nous, nous les conforts, nous causent, nous parlent de culture, nous parlent de ce qu'il faut faire, mais ils n'y arrivent pas au niveau de la population. Et ils n'y arriveront jamais, parce que nous l'avons entre nous et notre ventre est plein. Moi, ce que je propose à ça, puisqu'ici, il y a les forces vives de la Réunion. Il y a les associations, il y a la FOL, il y a l'association de monsieur. Allons expérimenter et allons emmener sur le terrain ce que nous sommes capables de produire à la Réunion, aussi bien le riz que la culture, du riz ou de la culture tout court. C'est-à-dire, en gros, à travers les fédérations d'associations. Mais quand même pas si la FOL existe encore. Non.
mais à travers l'éducation populaire. L'esprit existe toujours. L'esprit de l'enseignement. Alors rassurez-moi, l'esprit de la folle existe encore. Eh oui, bon, c'est pas notre proposition que ici, allons à travers le tissu associatif mettre en place des pratiques, que ce soit culturelles et agriculturelles, et en passant sur le terrain pour que les Réunionnais, dans leur ensemble, ils voient bien comment ça se traduit en actes. Moi, ma femme me disait souvent, preuve d'amour, il ne sert à rien, acte d'amour, c'est important. Et c'est ça, qui compte, c'est ça. Merci, Jules. Alors, justement, premièrement, ce manifeste Réunionnais pour le partage de la culture, tout comme ce que l'on vient de créer, c'est-à-dire le CERC, le Conseil Réunionnais Interculturel, de l'interculturalité, pardon, on est fatigué, n'est absolument pas fermé. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a des associations ici, nous on a fait avec les forces vives, qui depuis 2005, et puis au fur et à mesure de cette histoire, la rejoint à nous. Au départ, c'était complètement informel. Vous pouvez absolument nous rejoindre, point de problème. On est vraiment un espace de dialogue ouvert. Premièrement. Deuxièmement, entièrement d'accord pour faire descendre ça dans la population. Le manifeste Réunionnais pour le partage des cultures que nous l'a signé, donc on va faire naturellement le rectorat pour faire descendre ça chez les scolaires. Ça commence par ça, ça commence par les plus jeunes. Donc, et après, on va diffuser et on va communiquer sur toutes les actions et sur notre philosophie de cette interculturalité-là. Tu sais que tu peux compter sur moi, Jules, là-dessus. Merci. Merci, j'ai d'autres questions, d'autres interventions, d'autres projets. Merci, bon. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre. Donc, le CCE a toutes nos coordonnées. Vous avez quelques-uns de dessinataires qui sont là. Moi aussi, je vais devoir malheureusement partir. Mais en tout cas, tout le monde est bienvenu sur cette plateforme de dialogue complètement ouverte sur toutes nos cultures et toutes. Les cultures sont nombreuses. Juste une petite anecdote pour terminer un petit commentaire. Quand on a signé la première fois le manifeste réunionnais pour le partage des cultures, on l'a fait à la Maison du Monde. C'était un beau symbole. Hein. Maintenant, il n'existe plus. Maintenant, ça a été vendu à la privée. Quand on l'a signé, la presse était là. La semaine d'après, j'ai reçu une dizaine de coups de fil d'associations diverses et variées qui m'ont dit « Mais nous aussi, on veut venir. » Bon, certains nous ont rejoint, d'autres non, mais... Donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit « Nous aussi, on est une communauté, on est une culture, on veut vous rejoindre. Vous êtes qui? Nous sommes les gays. » Ben oui, c'est aussi une culture, c'est aussi une communauté. Donc, ils ne sont pas revenus après, mais j'ai été très étonné de cette démarche. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Parce qu'eux aussi, ils ont une philosophie, ils ont une façon de penser, ils ont des us et coutumes, qu'on partage peut-être pas, mais qu'on peut essayer de comprendre. Donc, on est très ouvert, et je vous attends tous pour signer, mais il n'y a plus de place sur le manifeste, je suis obligé d'en faire un deuxième. Merci. Merci. Si la Réunion est la toute nation, langage la maillée, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, est la toute nation, oh langage la maillée, mon aimé, la fait rayonner.